Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Fallout 4, épisode 3 et 4 qui viennent aujourd'hui. Alors, il faut savoir plusieurs choses. Premièrement, je suis désolé pour la qualité sonore de, des précédentes vidéos de Fallout 4. C'était mes premières vidéos, mon premier enregistrement, et du coup j'ai fait des erreurs qui font qu'il y a le son que d'un côté, que le son est vraiment pas fort, etc. Donc maintenant que j'ai un setup qui est à peu près correct, et que j'ai une façon de faire qui marche bien, j'espère que c'est bon pour maintenant. Désolé pour avant, et c'est cool si c'est bien maintenant. Bref, donc Fallout 4, épisode numéro 3 et numéro 4 aujourd'hui. On s'était arrêté, d'après ce que je me souviens, on est allé voir la milice et on les avait aidés dans leur petit baraque, et maintenant après on sortait de la milice. Et donc on va continuer tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira, et enjoy. Bon, bref, je me répète. Alors, nous sommes sortis donc de ce bâtiment où nous avons sauvé la milice, et nous avons discuté un petit peu avec eux, tout ça. Et maintenant ils vont tous sortir, et on va continuer cette petite histoire de folie qui est Fallout 4. Je ne sais pas du tout combien de temps va me prendre... Combien de temps va me prendre ce let's play, enfin en tout, parce que Fallout 4 c'est très long, et en plus c'est un jeu ouvert donc tu peux jouer tout le temps, c'est genre si on ajoute les modes, etc. Aouh! Fuck! J'ai sauté dans une explosion. Qu'est-ce qui se passe? Messire, je ne comprends plus, je ne comprends pas. Hey doggo! Charlie, mon ami! Vous ici! En tout cas, je suis très content de pouvoir continuer Fallout 4 parce que c'est ma première vidéo et vous savez, ça fait un peu. Émotionnel. Qu'est-ce que ça? T'as trouvé quelque chose, mon ami? C'est quoi ça? Medix. Glacière de drogue. Ok, Bali. Merci pour les drogues. je savais pas que. Je savais pas que les chiens étaient chercheurs de drogue. So, qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Eh bé! Non, je voulais. Ah, mais pousse-toi, Charlie, enfin voyons, tu me gênes. Chien, le berger est toujours à gêner les gens. Je vous dis ça d'expérience. Mais casse-toi! Moi, je peux aller là-haut. Ok, tant pis. On verra plus tard. Allons rejoindre les autres. On va les suivre et aller voir où est-ce qu'ils peuvent. Où est-ce qu'ils vont aller. Ah, ils sont partis! Par là. Je crois qu'il voulait retourner dans la ville où j'étais la dernière fois, d'après ce que je me souviens. Du coup, ça doit être par là, j'imagine. Allo, les gens, vous êtes passés où? What the fuck, je suis perdu. Ils sont là. Hey, attendez-moi! Ils seront pas loin. Quand votre réacteur est fusion déchargé, votre vitesse de déplacement est réduite. Si vous ne pouvez plus utiliser le SVAV, ou ni porter des gays d'attaque à distance. Ok, très bien. D'accord. On va peut-être le recharger, même si je sais pas du tout comment on fait. Charlie, I love you. My boy, that's my boy. En tout cas, ils sont bien lents. Hein. Allez les gars, on n'a pas que ça à faire. Hein. J'ai un jeu à comprendre. J'ai un jeu à finir. La lune n'est pas dégueu. Je trouve qu'elle est bien faite. Bon, à part que ça doit être la pleine lune à peu près tout le temps dans le jeu. Mais Ah, mon atelier. Râteau. Salut les gars. C'est bon. Oh. Bien visé. Ah. Et alors? On meurt. On tire dans quoi là? Ouais, arrête. Je crois que genre je peux toucher mon chien sans exprès. Franchement, ça me casserait les nœuds. Bon, comme je disais dans la dernière, on récupère tout, on verra bien ce qu'on peut faire avec ça. Au pire, on vendra tout. Peu importe. C'est votre idée du paradis, hein, Sturgess. Il pourrait y avoir des trucs à récupérer là-dedans. Mais allons d'abord à Sanctuary. On ne doit plus être loin. Et oui, on est plus très loin en effet. Sanctuary, ma ville natale. C'est triste.
famille, ma femme est morte, mon enfant est disparu. Mais heureusement, j'ai mon chien maintenant, j'ai un chien maintenant. Et ça remplace tous les enfants du monde. Meilleur ami de l'homme, à part que bon, le problème principal du chien, c'est que bah, ça ne vit pas assez longtemps. Quoi. Il faudrait que ça vive comme nous les hommes. Comme ça, on pourrait avoir un chien toute une vie. Ce serait génial. Le lien que tu pourrais créer avec ça. C'est trop beau. Je crois que tu veux casser la tête. Non. Très bien. Tant pis. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire, lui? Allez, ah, on ne peut pas s'arrêter. Francis. Ah oui, c'est vrai que je m'appelle Francis. Francis. Quel beau nom. Mince. Francis et Charlie. Un monument dédié au premier milicien. Je savais qu'il était dans les environs de Concorde. Ah, c'est ça un milicien. Que ça, c'est Old North Bridge. Le pont où les premiers coups de feu de la révolution américaine ont été tirés. Je dirais que c'est le meilleur présage que j'ai eu depuis qu'on a quitté Quincy. Je sais pas trop de quoi vous parler, boss. Mais si ça vous fait plaisir, tant mieux. Ah, le mec, il a aucune culture historique. N'importe quoi. Ravi que vous ayez décidé de venir avec nous. J'aurais dû écouter Mama Murphy dès le début. C'est un bel endroit qu'elle nous a trouvé. Je pense qu'on pourrait s'installer ici. En faire notre maison. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je pense que, franchement, moi j'irais bien sur une... Je sais pas. Mama Murphy, ça fait bizarre de revenir. Pas une maison, j'habitais ici. Vas-y, je vais leur dire que... Non, je vais pas trop leur donner d'informations sur moi pour l'instant. Histoire qu'ils sachent pas tout. Pas une maison. Pourquoi pas une maison? Donc, vous croyez à ces visions? Avant, non. Mais comment est-ce qu'elle connaissait cet endroit? Je crois qu'elle a un don. Mieux vaut en tenir compte. Enfin, regardez cet endroit. Je crois vraiment que ça pourrait être ce qu'on cherche. Ouais, enfin, en même temps, je veux dire, avec la radioactivité, pendant 200 ans ou 50 ans, je crois que c'est 200 ans, 300, je sais plus. Ça m'étonne pas qu'il y ait des gens qui soient devenus un peu chelous. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez? Pas une maison. Ce n'est pas une maison. Ce n'est qu'une ruine. Il ne faut pas s'arrêter aux apparences. On a de l'eau, beaucoup de place, et on devrait pouvoir se défendre plutôt bien en cas de problème. Oui, je vois. Oui, je vois ça d'ici. Un jardin là-bas, quelques abris confortables. On pourrait même avoir l'électricité. Vous croyez vraiment que c'est possible? Oui. Ce ne sera pas facile, loin de là. Mais c'est possible. J'ai vu les gens unir leurs forces pour bâtir un monde meilleur. C'est ce que voulaient les miliciens, avant que tout s'effondre. Enfin, content que vous soyez là. Ouais, bah écoute, moi aussi je suis content. Et j'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai un autre service à vous demander. J'ai été contacté par une colonie qui a besoin d'aide. Ces gens espèrent toujours qu'il reste des miliciens. Notre seule chance de reformer les miliciens, c'est de montrer aux gens qu'ils peuvent compter sur nous quand ils en ont besoin. Le problème, c'est que j'ai beaucoup à faire ici. Ça vous dérangerait de vous occuper de cette colonie? Ça dépend. S'il faut buter tout le monde, moi je suis pour. Quel genre d'aide est-ce qu'ils ont besoin? Je crois que c'est un problème de pillard. Rien de habituel. Vous devrez leur demander les détails. Ah, super. J'attendais justement l'occasion d'aller sauver d'autres gens sans défense. Ce n'est pas qu'ils sont sans défense. Ils ont juste besoin qu'on leur donne un coup de main de temps en temps. C'est censé être ça le rôle des miliciens. Au fait, si vous voulez nous donner un coup de main ici, adressez-vous à Sturges. Je suis sûr qu'il serait content d'avoir un peu d'aide. Ok. J'ai atteint le niveau 4. Parlez aux habitants. Tenpin Bluff. Alors, est-ce que éventuellement. Il y a les mecs qui sont retrouvés tout seuls du coup. Où sont les autres? Ils sont partis. Pour moi. Les gars, vous êtes où? Je vous ai perdu. Et si on allait tuer les pillards? Ils sont installés là? C'est pour ça qu'il y a du feu? Ouais. Ouais, c'est un peu extrême, ouais. Mais c'est pas grave. Ils sont vraiment installés là, mais c'est dégueulasse ici. Sérieux. Bon, bah, tout le monde a disparu. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une map? Bon, elle est un peu dégueu ta map, mais c'est pas grave. Toutes les attaques infligent des dégâts d'un type donné. C'est bien, c'est cool. On est content. Relais routier. Concorde. Musée de la Liberté. Abri 111. Sanctuary. 5 personnes, 20% de gens contents. Ok. Maintenant, je sais plus qui c'est déjà. Est-ce que il y a moyen spécial? Force plus 11. Je peux augmenter là ou pas, du coup?
La force correspond à votre puissance physique brute. Ah mais c'est des attaques au corps à corps du coup, ça sert à rien pour les flingues. Vous avez votre nombre de points d'action en mode SVAV. Aptitude. Je n'ai actuellement aucune aptitude. Bah écoute, je sais pas quoi te dire mon ami. Je sais pas quoi te dire. Niveau plus. 3. T. Ok. Mais c'est ça. Voltec. Force, perception, endurance, charisme, intelligence, agite, chance. Le fuckiac. Normalement c'est genre en anglais, ça donne autre chose, mais c'est pas grave. Alors, choisir. Entrée. Ok, j'en ai 3 à choisir, c'est ça? Exercice de force. La force correspond à votre puissance physique. Oui, mais ça c'est. Vous venez de gagner un point de force. Ok. Je sais pas moi. Écoute. Je comprends pas tout. Mais je peux pas faire ça. Si. Non, je peux pas. Charisme. Ah, c'est ce que j'ai choisi, c'est vrai, c'est ce que j'ai choisi au début. Ok, on va mettre un point de plus en agilité parce que c'est cool. Le nombre de points d'action, ça va, même si je l'ai toujours pas utilisé, mais vous allez voir. Vous allez voir, c'est cool. Quel est votre chi pour dessiner la fureur du dragon? Ok, buddy. Pickpocket, robustesse, fanal capsule. Ah, mais on peut tout acheter partout, mais c'est génial. Ah non. Si, on peut. Nécessite CHR2. Oh, et là j'en ai plus, c'est ça? Ouais, non, ok. Bon, bah écoute, très bien. Je sais pas quoi te dire. R, Radaway, qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Qu'est-ce que c'est? Ah, je comprends rien. Bon, c'est pas grave. Alors, on va. Est-ce que je peux sortir cette armure? Éventuellement. Oui. Je vais la mettre là. Quoi? Quoi? T'es où? T'es où, Bali? T'es où, Bali? Charlie! Where are you? Attendez. Ah, vous voilà. Ah oui, non, mais j'ai gardé ça, moi, clairement. Je suis venu comprendre qu'il faut pas nous chercher. Restez en alerte. Ne baissez pas votre garde. Ok, je veux bien. Et je veux dire, tout le monde a disparu, quoi. C'est trop chelou, hein. Comment on fait pour... Ouais. Okay. Je préfère avoir des petites armes et courir plus vite. C'est pour ça que j'ai pris ça au lieu de prendre l'autre truc. Mm-hmm. Et où est Struggles, du coup? Vas-y. Cassez-vous! Enfin! Bon. N'empêche que. Où sont les autres? Mec. Il est où, Struggles? Pourquoi tu t'arrêtes là? Tu me suis, c'est ça? Pourquoi il y avait du feu? Pourquoi il y a du feu ici? Ah, ils sont là! Ok, ils sont en train de reconstruire cette baraque. Bah écoutez, pourquoi pas? Après, franchement, niveau sécure, le quartier, c'est pas ça. Hein. Bon, moi, je prends tout. Hein. Bonjour, maman. Comment ça va? Très bien. Ça fait du bien de pouvoir enfin s'installer quelque part, après avoir passé autant de temps sur les routes. Ah, vous avez bourlingué un peu quand vous étiez jeune? Hey, Sturgess. Oh, oui. Il faut bien quand on a sa tête mise à prix. Vous voulez participer au travail? Bah écoute, pourquoi faire? Ne doublez jamais. J'adore le travail. Je peux regarder quelqu'un travailler pendant des heures. Déjà, ça nous ferait pas de mal d'avoir de vrais lits. Ça fait trop longtemps qu'on dort par terre. Je vois bien être sarcastique tout le temps. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Vous avez dit que vous vouliez nous aider? Et pour l'instant, on a besoin de lits. Ok, Malice, c'est bon, c'est bon. Oui, oui. Je me ferai un plaisir de vous aider. Parfait. Merci bien. Je pour l'instant, le principal, c'est qu'on ait un toit au-dessus de nos têtes. Certaines de ces vieilles maisons ont encore l'air solides. Mm-hmm. Il y a un établi là-bas dont vous pouvez vous servir. Faites-moi signe s'il vous faut quelque chose. Ok. Sanctuary. Construisez des lits pour les habitants de Sanctuary. Putain, mais je suis devenu genre l'homme à tout faire, quoi, c'est ça? Putain, mais déjà, moi, j'ai pas de maison, hein, de base. L'atelier, c'est ça, l'atelier? Non.
Ah non, ça c'est le poste de la cité, c'est là où je vais mettre mon Svesvosv, mon truc là. D'ailleurs, je vais le récupérer et je vais l'amener là. Vite, vite. Faut pas que ça va faire, les gars. Pati, 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 pati. Ah, il est là. C'est bien. Let's go for fight. Et on y va. C'est là. Oui. Trop bien. Les gens ils tournent en rond pendant 10 ans. Transfert. R. Ah non. Ok. Non. Attends. Mais je peux pas le poser là-dessus. Bah, c'est pas fait pour. Fabriquer. Ah si, voilà, je savais bien. Bon, ça c'est si je veux. Ok, bon, très bien, ça on s'en fout. Quitter la station, oui. Au moins maintenant il est posé là, c'est cool. Où est l'atelier? C'est ça l'atelier? Établi d'armes. Non, c'est pas ça qu'on veut. L'atelier. Ah, structure. Oui, c'est exactement ça. Alors, structure bois, métal, béton, entrepôt, grange, échafaudage, boxcar, porte, clôture, ascenseur, circuit de billes, divers. C'est dans divers, tu crois? Non, ça a pas l'air d'être là. Où est-ce que c'est? Dans bois? Mur, toit, escalier, divers. Sol. Qu'est-ce qu'on a là? Rambarde, balcon, non, c'est pas là. Qu'est-ce que. Où? Hein? Où qu'est-ce que? Escalier, toit, mur, sol, préfabriqué. Sol et toit, mur et toit, couloir, bout de couloir, coin, mur et toit, coin, petite cabane. Il n'y a pas de lit! Enfin! Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Vous pouvez ouvrir le menu de l'atelier depuis la zone de construction en maintenant V. Oui, tout à fait. Tout à fait Thierry. Tout à fait Thierry. Ah, c'est peut-être pas dans structure, mais dans mobilier. Eh oui. Eh oui aussi, quelle idée. Mais il y a plein de trucs. C'est un truc de fou. Mobilier, lit. Oui, lit. Qu'est-ce qu'on a comme lit? Nécessite acier, tissu. Bon, j'ai tout ce qu'il faut. Oh, j'ai 57 d'acier, 12 de tissu. C'est la folie furieuse. Fabriqué avec... Bon, on va leur faire des brélis. Ok, les gars. Alors, la chambre. Où sera la chambre? Ça, c'est la salle de bain. Ça, ça m'a l'air pas trop mal comme chambre, même si ça a l'air d'un bureau. Peut-être que je vais la foutre là. Après, c'est pas ma chambre. Franchement, je m'en parle les couilles, t'as vu, mais... Parle les couilles, frère! Putain, je me retrouve à jouer aux Sims dans Fallout 4, quoi. C'est le principe du jeu. Bon, bah, en tout cas, c'est la seule pièce que je vois où on peut faire une chambre. Pousse-toi! Merci. On peut faire une chambre, donc je vais la foutre là. Je sais pas se mettre droit, s'il te plaît. Yep. Bon, c'est à peu près droit. Fabriqué. Hop! Très bien. Il faut que je fasse combien de lits, sérieux? C'est une blague. Quoi, je vous gêne, c'est ça? Poussez-vous là. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais ah! Mais laissez-moi sortir, enfin! Bon, faut que j'en fasse plein apparemment. Du coup, mais. Putain, mais. Y'a des. Et je peux pas aller vers la gauche? What the fuck? Ah, doit y avoir une touche qui est mal configurée sur mon ordi. Ok, bon, on va foutre un lit là. Il faut que j'en fasse combien? 20%, il faut que j'en fasse 5. Vous pouvez pas arrêter de me pousser 2 secondes, les gars. À moins qu'il faut que j'en fasse 5, mais pas forcément que dans cette barrette là. Si j'en fais dans d'autres maisons. Ah, mais oui, c'est ça. Bon, attendez 2 secondes, parce que là, ça me perturbe de ouf. C'est très très étrange que je ne puisse pas. Le cul doit être utilisé ailleurs aussi, sinon c'est
Ah non. Bah non, pourtant. Pourtant non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bazar le bazar. Et là je peux utiliser, mais avec V je peux pas. Bon bah écoute. Bon alors du coup, bon cette maison ça va être un peu mort actuellement. Peut-être qu'en face. Peut-être que là il y a de la place pour mettre un autre lit. Oh, elle a l'air grande cette maison. C'est cool. Bah voilà, excellent. V. Faire des lits. Hop. Entrée. Un autre lit là. Là aussi, ça m'a l'air d'être une belle petite chambre. Faut juste refaire les murs, mais sinon ça passe. Non, s'il y a pas une... Ah, ça me perturbe de pas pouvoir appuyer sur. Aller vers la gauche quand je suis dans ce mode là. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. Hey, c'est ma maison. Si seigneur. Si seigneur, si seigneur. Oula. Un peu le bordel quand même. Bon, j'aimerais bien vous mettre genre dans un endroit où c'est à peu près bien. Voilà. Bon, c'est un peu ouvert mais ça ira. Normalement je peux en faire un autre. Ah putain de bordel de merde. Un autre lit. Eh ben l'autre lit, je vais le faire dans cette maison-là, qui a l'air, ma foi, très bien. Elles sont toutes un peu fait pareil, les maisons, non? Ou c'est moi? Voilà, parfait. Hop, un lit là. Et ce sera très bien. Très bien. Sab, 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 sab. Sab. Fort bien, fort bien. Allons voir Struggle. Ça veut pas dire quelque chose en anglais, ça, Struggle? C'est moi ou... June Long. On fout de June Long. Sturgess. Ça me plaît bien. Ah non, Sturgess, ok. Un endroit où dormir, bon gros débile. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une source d'eau propre. Boire l'eau de la rivière. L'eau de la rivière n'est pas assez bonne pour vous. Ça peut aller pour dépanner, mais elle est trop contaminée pour qu'on puisse la boire régulièrement. Ouais, j'ai rien d'extraordinaire, hein. Un puits ou deux devrait faire l'affaire. Un puits ou deux. Faut que je construise des puits maintenant. Eh ben, dis donc. Magasin. Cage. Fabrication, peut-être. Chimie. Ah, mais non, ça, c'est les... Non, c'est pas ça. Ressources. Eau. Ressources, eau. Pompe, pompe, épurateur, épurateur. Et un puits sinon? Éventuellement. Nécessite 4 d'électricité. Produit 3 eau. Bon, bah, j'imagine que c'est ça. Ah, il me manque du béton. J'ai pas de béton. Q marqué pour recherche. Béton. Ok. Et une fois que c'est marqué, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va sur la map? Non? Je ne sais pas. Palos d'habitants. Donc, ça, c'est pour aller les sauver. J'aimerais comprendre un peu comment marche la. Comment marche tout le craft et la construction, etc. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais tout ça. Je suis désolé si ça vous embête que je construise des maisons. Je dis. J'avoue que c'est pas forcément le principe de base du jeu, mais bon. Non mais du coup, comment est-ce que je peux faire pour trouver du béton? Je dirais il m'a marqué pour le rechercher, mais bon. Bon, de toute façon, il m'en manque. Donc pour l'instant, je ne peux rien faire. Peut-être j'ai juste besoin d'échanger de l'équipement. Ah, mon inventaire. J'ai pas de béton. J'ai des... Non. J'ai pas de béton. J'ai plein de trucs par contre. Hein. Putain. J'ai vraiment plein de trucs. Aïe aïe aïe. Bon, bah écoutez, je sais pas. Peut-être que je vais trouver du béton sur le chemin. C'est de trouver le bon endroit. Un endroit juste au-dessus des nappes phréatiques. Ouais, ouais, c'est ça, Bali. Mais je peux pas. Je peux pas faire de puits. De pompe à eau. J'ai pas de béton. Et je sais pas où en trouver. Du coup, on va juste aller voir les petits bonhommes là-bas.
On va aller faire les... On va aller faire les quêtes. Donner, c'est dans donner, c'est ça ? Sanctuary, fournissez de l'eau propre aux habitants, parlez aux habitants, allez à Diamond City. Ouais. L'appel de la liberté. Ça c'est fait, ça c'est fait. Eh bien écoute, on va prendre ça. Parlez aux habitants. Tempin bluff, 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 bluff. Ok, c'est marqué, c'est le truc qui est marqué là, c'est ça, il faut que j'aille vers là-bas, vers l'est. Très bien, et bien allons là-bas. On va y aller sans notre armure, mais c'est pas grave. De toute façon, notre armure, elle a presque plus de batterie et je sais pas trop où est-ce qu'on peut en trouver. Donc, allons par là. Je sais pas si je peux traverser l'eau, genre. Je crois que ça me fait du mal. Ou pas. Je ne sais pas. Le chien s'en fout. On va y aller. Ah, plus 5 gradations. Oh, gosh. Ah, oh. Mmh. Cabrera. Vas-y, viens. Salut. Il y en a plein. On va recharger. Ok, cabot errant. Je t'ai eu. Bref. Oh, c'est quoi ça? C'est des biches à deux têtes. Des rats de biches. Ok. Des rats de biche. Poudre de serre. What the fuck. Des serres radioactivées. Des rats de serre. Oh putain. C'est quoi ça là? Il y a une sorte de pelle et de pioche. Il y aurait pas du béton par là par hasard? Éventuellement. Mhm. Mhm. Putain, mais j'aimerais bien conduire des voitures aussi. Je pense qu'il y a moyen qu'après on puisse les réparer ou quoi. Qu'on puisse les conduire. Là, c'est là où j'étais tout à l'heure. Hein. On va aller par là. Je suis sûr que je suis encore méga loin en plus. Ouais. Bon, ça va, c'est pas si loin que ça, mais quand même. Mais quand même, hein. 3h du mat, le gars, il s'en bat les couilles. Moi, je dors pas. J'en ai pas besoin. Je suis un mec badass dans ma vie. J'ai vu qu'il y avait un petit lac entre les deux. Ça doit être ça. Carrière Siquette. Ah, la découverte apporte des points d'expérience aussi. Sympa. Il doit y avoir des trucs ici. Mais c'est une carrière. C'est un mec, un gentil ou un méchant lui. I don't know. C'est une carrière, il y a forcément des trucs à récupérer. Peut-être pas directement sur la pierre, mais genre, je sais pas, là-bas, peut-être. Ça, c'est du béton, ça. Enfin, c'est pas vraiment du béton, c'est plus, comment dire, des blocs de béton. Mais il me faudra du béton en poudre, avec lequel tu mets de l'eau et du sable. Ça te fait du béton. Voilà tout. Après, tu peux construire des maisons. C'est qui, lui? Ami ou ennemi? Salut, gros. Ça vous dirait de gagner quelques capsules? J'aurai besoin d'un coup de main quand vous aurez fini de gober les mouches. Demander de l'argent. Demander de l'argent? Pour quelques capsules de plus, je pourrais vous aider. Franchement, oh, vous manquez pas d'air. 50 capsules, c'est à prendre ou à laisser. Je manque pas d'air, attends, c'est la merde ici. Hein. Je peux vous aider. Peux faire pour vous? Allons-y. La pompe est pas en très bon état, mais elle devrait démarrer. Il doit y avoir des joints pourris qui causent des fuites. Vous pourriez réparer ça? Les putain, le but du jeu, c'est de faire le plombier, quoi. Les trouver en cherchant les bulles. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? En cherchant les bulles. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Je comprends rien, tout va bien. Y'a quoi, ici? Rien à récupérer, là. Scotch prendre. Oh, aussi, là, y'a des trucs. Là, y'a des trucs. Appuyez. Là, il y a des bulles qui sortent de l'eau. Non, mais il veut que j'aille sous l'eau, là. C'est le principe. Non, mais je peux pas y aller. Moi, j'ai pas mon armure, hein, les gars. C'est une blague. En tout cas, il y a des trucs ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Déverrouiller novice.
Comment je fais? Il doit y avoir un... beaucoup de bruit mais pour pas grand chose. Je sais pas comment on fait donc voilà, je ne peux pas, je ne peux point, c'est pas grave. Bon, mais il y avait pas grand chose dans cette carrière au final. Il y a des petites caravanes, il y a des trucs dedans. Je suis un voleur, oui je sais, mais après tout est abandonné donc c'est pas très grave, hein. Tatou Radoué, briquet à essence, ok, cuillère en bois. Pourquoi pas, tout est utile de toute façon. Vous avez trouvé un numéro de magazine Tabou Tatou. Tatou Tabou. Nouveau tatouage de visage débloqué. Bah écoute, ok. Pourquoi pas. On se fera les tatouages plus tard, dans notre vie. Dans notre petite vie de survivant de la guerre mondiale nucléaire. World War 3. World War 3. Ok. Bah là, il n'y a rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Continuons donc. Je pensais trouver du béton par ici, mais non, je n'ai rien trouvé actuellement. Donc, c'est pas grave. Oh, il y a plein de trucs ici aussi. Cachette de capsule. Ah oui, non, mais ça, je sais pas comment on fait, les gars. Donc, je sais pas du tout comment on fait, et je n'ai aucune idée de comment ça marche. Ah, si j'appuie sur A. Si seulement j'avais une épingle à cheveux. Ah, j'ai cassé mon épingle, ok, bon, bah, tant pis. Terminal de la carrière C4. Pas d'épingle à cheveux. Ouais, il me faudrait d'autres épingles à cheveux, mais il faudrait que je sache comment ça fonctionne. Est-ce qu'il pourrait me dire où est-ce que il y a du béton? Par hasard, par hasard, par hasard. Ok. Très bien, 240 tonnes, 250 tonnes. Intéressant tout ça. Allez, je vais lire la bande. Qui est Sully? C'est un endroit excellent avec une bonne équipe, on n'aura aucun problème pour s'y retrancher. Il y a des marchands qui l'ont suffisamment pris pour faire des cibles faciles, tout en étant assez loin pour qu'on ne risque rien. Complètement inondé. Grosse pompe à air, intacte. Ok, si je prends le dernier. J'ai réussi à réparer la plupart des raccords, j'ai rafistolé tous les tuyaux percés, j'ai pu trouver à part ceux qui sont immergés. Vu le bruit que j'ai pu entendre, pas question de mettre les pieds là-dedans, je crois que je vais aller chercher un des nouveaux pour qu'il s'en charge. Ok, bah écoute, très bien. Donc ça ne me sert à rien. Rejeter l'holobande. Donc ça ne me sert à rien, tant pis. Tant pis, tant pis. Allons par là. Ah, il y a un truc là, c'est quoi? RR. Là, c'est vraiment de la grosse exploration, quoi. Genre, tu peux tomber sur tout et n'importe quoi, à peu près n'importe quoi. Si tu fais pas gaffe, tu peux y passer du temps, hein, je pense. Un jeu qui peut te prendre vraiment beaucoup de temps. Du coup, est-ce que je continue mes petites explorations ou est-ce que je vais direct au but? Je fais les quêtes qu'on me demande, les quêtes principales. Je sais pas s'il y a vraiment des... Mais il faut que je trouve mon fils, moi, au fait. Faut que j'aille à Diamond City pour ça, j'imagine. Garde Bedford. Oula. Ça a l'air sympa, lui. C'était ça. Ghoul sauvage. Ouais, du coup, je récupère mes cartouches quand je le touche avec. Après, c'est que les cartouches, je sais pas si. Oh, il y en a plein là. Lâche mon chien, toi. Oui, bref. Un crayon. Très bien. Non mais comme ça au moins ce sera sur la carte, voilà, comme ça, si jamais j'ai besoin d'y aller, je saurai où c'est. Tout simplement. Putain, c'est fou, comment ça a fait pour se détruire? Oui, non, forcément. Des bombes nucléaires, quoi. Des bombes nucléaires. Évidemment qu'il y a tout qui s'est détruit. Même des énormes ponts comme celui-là. Enfin. Enfin, enfin. Ah.
Ok, buddy. Ok, buddy. Ok, buddy. Ah, là, il y a un aéroport. Ah, j'y suis presque. Quand je vais y arriver, je pense que ce sera la fin de la vidéo, du coup. À force de traîner un peu partout. Et ben voilà, j'ai fini par perdre beaucoup de temps, surtout. Mais en tout cas, moi, je trouve ça vraiment fun. C'est du survival, genre... en bonne et due forme. Il faut que j'aille là-haut, moi, en fait. Tout simplement. Ah ! Mais comment ? Ça, c'est une bonne question, ça. Ça, c'est une bonne question, dis donc. Salut, les gars. Ah, putain, je suis pas doué. Ok, comment je fais pour genre changer mon équipement et tout, donner. Stats. Non. C'est où mon équipement? Inventaire. 10 mm. Arme de fortune, pistolet, cocktail molotov. Mais j'ai un mousquet laser, moi, au fait. Dis donc. Non, ça je vais faire. Ah, mais je peux pas. Recharger. Ah, voilà, mieux. Laisse mon chien tranquille. Ah, mais je m'en fous de moi, c'est mon chien qui importe. Ah, putain! Mais bordel de merde! Bon bah il est plus efficace que moi. Hein. Un hochet! Bon, je pense que je vais prendre. Je t'ai vu toi. Hein. Vas-y. Salaud! Il a disparu. Bon, ça marche quand même bien, hein, donc bon. Il faut quand même que j'aille là-haut moi. Comment je vais faire pour aller là-haut? Ils sont entourés. Ah, par là. Je pense que par là je peux y arriver. Bon, j'ai perdu quand même sacrément beaucoup de vie. Hein. En fait, je pense que si je mange des trucs tués, genre des ghouls, des animaux et tout ça, à mon avis, je vais finir par. C'est la radiation qui va me tuer en fait. Bon, après avoir exploré tout ce beau petit monde et avoir appris un peu plus comment faire pour crafter, construire, etc., même si je sais pas du tout comment faire pour trouver du béton, je vais vous laisser sur ce point-là et puis je vous dis à la prochaine pour la suite. À ciao, bonsoir.